L'une des premières priorités de Melchior Ndadaye, après son investiture, avait pourtant été de rassurer les forces armées qui avaient peur du nouveau pouvoir. Beaucoup parlaient d'un certain projet de réforme de l'armée qu'allait entreprendre le nouveau gouvernement. Tous les chefs militaires doivent s'investir dans la lutte contre la rumeur et ses effets pervers. Dans une société comme la nôtre, où la communication orale prédomine, la rumeur est devenue l'arme privilégiée de la désinformation et de la déstabilisation. Ce fléau qui est toxique, notre société doit être éradiqué. L'avènement d'un président Hutu faisait peur à l'armée, essentiellement Tutsi. La réforme dont on parlait consistait-elle en un rééquilibrage ethnique ?